Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un micro qui vient de chez Actio, d'une valeur de 14,99€. Oui, vous avez très bien entendu les amis, le prix 14,99€. Donc, on va tester le microphone les amis, c'est un microphone streaming à LED, d'accord, c'est-à-dire il y a plusieurs couleurs, voilà. Il y a du bleu, du vert. Enfin, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a comme couleur. Apparemment, il y a 6 couleurs différentes. On peut le. Il peut faire plusieurs rotations. À l'horizontale, 360. Voilà. Il peut faire aussi du 180 degrés. Et on peut le brancher en USB-C. Voilà. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc les amis, je voudrais aussi le rappeler au passage, ce n'est pas une OP hein, les amis, d'accord, c'est moi-même qui l'ai découvert par hasard en se baladant dans un magasin Action. Voilà, donc je tenais à le préciser. Allez, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce joli carton. Donc il y a la notice hein, les amis, on a la notice, mais bon on n'en a pas besoin, hein, c'est... Voilà, on s'en fout un peu de la notice. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ce joli boîte? Donc il y a le truc popote là qui protège le bruit là. Il y a le câble USB-C que vous pouvez le voir comme ça. Il y a le micro. Voilà, on va le poser là. Il y a le... Ouh. Finalement, il y a le support. D'accord, support pour poser le pied. Il y a le pied. Et il y a le petit, la petite vis, je pense, pour mettre le micro. Franchement, pour l'instant, la première impression, franchement, et regardez, on peut couper le son ici. Voilà, là, juste à appuyer hop, sur le petit bouton là. Voilà. Franchement, il est propre pour un micro à 15€. Il est propre. Après, il faut voir qu'est-ce qu'il vaut quand on parle. Ça, on va tester ça tout de suite. Donc, maintenant qu'on a découvert le micro en question, on va le monter. Allez, c'est parti, let's go. Hop. On met le petit bout là, voilà, ça, on est, hop, c'est tout simple hein, les amis, hein. Franchement, faut pas éjecter la dernière puits pour monter un micro, voilà, ça, le petit pied, voilà, on roule, on regarde si c'est bien serré, voilà, c'est parfait, ça, on l'emboîte, on ne sait pas passer la mettre, voilà, tac, voilà, on s'assure que c'est bien serré, on met droit, voilà la petite, le petit truc, d'accord, ça voilà, il y a une petite encoche. Bon, voilà, voilà les amis, qu'est-ce que ça donne une fois monté. Voilà, bien sûr il n'est pas encore branché tout de suite. Voilà, franchement il est stylé. Par contre je le trouve un peu, si on le met comme ça, ça dépend comment vous parlez les amis, ça va, je le trouve assez stable, ça va. Soit qu'on peut le tourner dans tous les sens, voilà, on peut le tourner dans tous les sens hein, les amis, comme vous pouvez le voir, voilà, regardez, voilà, on peut faire comme ça. Par contre il y a des fois je trouve pas si stable que ça. Ça c'est le truc que qui va peut-être me gêner, ça qui me gêne un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a pour le défaut pour l'instant, c'est je il y a pas, c'est pas très stable on va dire, mais bon après comme je dis hein, c'est un micro à 15€, les amis. Il faut pas s'attendre non plus à un truc fou. On va voir qu'est-ce que ça va donner quand on parle sur le micro. Allez, c'est parti. Let's go. Donc, maintenant, on est sur le micro en question. Voilà. Pour régler... Ah oui, j'avais oublié de dire. Pour régler le son, il y a une petite molette juste ici. Voilà. Donc, comme on peut parler... comme vous pouvez le voir, le micro est vert. D'accord. Et si par exemple on coupe le micro, il est rouge. Il y a juste un petit pop à faire ça et c'est bon, on est muté. Ça, je trouve ça plutôt chouette, les amis. Parce que c'est vrai qu'on est occupé, tac, on n'a pas besoin de chercher, tac, on a juste à appuyer sur le bouton d'au-dessus. Ça, franchement, je trouve ça bien. Ils ont fait ça et au moins, si on est rouge, on sait qu'on est muté. Ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est plutôt chouette. Donc, qu'est-ce qui est positif? Bah, c'est ça, le bouton. Le niveau du volume, franchement, il est plutôt chouette aussi. C'est facile à régler. Qu'est-ce qui, je trouve, aussi un peu inconvénient?
C'est peut-être le support, comme je dis, il n'est pas vraiment stable. C'est quelque chose que je trouve négatif un petit peu dans ce micro. Voilà. Mais pour 15 euros, franchement, il est pas mal du tout. Franchement, pour la qualité du son, c'est pas mal, c'est correct. J'ai envie de dire. Bon, je pense que vous devrez voir la différence entre le micro là que j'utilise de chez Action et le micro ceci là que j'utilise sur mes lives. Voilà, vous devrez voir la différence, je pense, entre le micro de chez Action et le micro que j'utilise dans tous les lives. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais dire sur ce joli micro. Encore une fois, vous pouvez trouver à 15 euros dans les magasins Action. Donc dépêchez-vous, parce que franchement, sautez sur l'occasion, parce que pour commencer, comme je l'ai dit, pour commencer à avoir un micro comme ça d'une qualité correcte, on va dire, pour un micro de 15 euros et pour commencer surtout le stream, franchement c'est plutôt chouette. Franchement, je trouve ça chouette d'avoir un micro comme ça, correct au niveau du, peut-être du son. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, celui-là qui veut commencer YouTube et qui n'a pas beaucoup d'argent, bah, je vous le conseille, le petit micro là. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais dire dans cette vidéo, les amis. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de micro. Voilà, dites-le moi si vous aimez bien le design et tout. Ou bien si vous l'avez déjà acheté, on sait jamais. Donc dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis aussi, dites-moi aussi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, que j'essaie des objets pour le streaming à un prix vraiment très faible. Donc dites-moi les amis si vous voulez que j'essaie d'autres objets différents, que ce soit un micro, un casque ou peu importe. J'essaierai de le faire si j'ai l'occasion d'en trouver d'autres à Action ou bien autre part, hein, les amis, il n'y a pas qu'à Action. Autre part, bah, j'essaierai de le faire. Comme ça, si je peux donner des bons plans pour commencer le streaming, bah, je le ferai. Franchement, je le ferai. Donc, voilà les amis, qu'est-ce que je pouvais dire sur cette vidéo. C'était Ch'ti. À très bientôt les amis, dans un prochain live ou une prochaine vidéo. Et bisous les amis. Ciao.